Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment avoir une consommation numérique cohérente, si ce n'est raisonnée? Réponse comme chaque semaine avec le Clémy et les pérégrinations de la famille tout écran. Elle a une idée derrière la tech, elle revient évidemment avec nous cette année, c'est Jeanne Dreyfus, notre historienne de l'art. Et Jeanne, tu ne t'es pas reposée cet été, tu as arpenté littéralement les villes du monde entier parce que tu vas justement nous parler de ce futur des villes de demain. Eh bien oui, deux chroniques sur les villes de demain, Marjorie. Selon les estimations des Nations Unies, 6 terriens sur 10 d'ici 2030 seront habitants d'une ville. Donc je me suis demandé à quoi ressembleront ces villes de demain et comment les urbanistes, les architectes accompagnent cet essor urbain. Et tu as bien fait, on va te suivre justement dans ce voyage dans les villes de demain. Notre question du jour. Allez, on va aborder une nouvelle grille de lecture pour les EdTech. J'ai pas trouvé de meilleure formulation parce que d'abord, les EdTech qu'on reçoit aujourd'hui, eh bien, elles aident à apprendre à lire aux enfants, à lutter contre l'illettrisme de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment leur mission. Et puis en même temps, leur solution a été boostée par le grand virage numérique de l'enseignement négocié par l'ancien Premier ministre Jean Castex et les initiatives, notamment sur l'intelligence artificielle, lancées par l'Éducation nationale. On va donc parler du futur de ces EdTech et de la lecture avec nos invités en plateau. Caroline Schlatter, vous êtes responsable de la communauté éducative de l'Alilo. Bonjour à vous Caroline. Bonjour Marjorie. Bonjour. Et puis en duplex, nous serons avec Sandrine Grégoire, CEO de Magic Educ. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Mais d'abord, focus. Et les familles se croisent, elles se recomposent, mais comment avoir des règles simples et lisibles pour une meilleure consommation numérique? C'est le sujet de notre série en partenariat avec le Clémy, vous la connaissez désormais, la famille tout écran, saison 2, mais déjà épisode 6, ah oui, c'est déjà la suite. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé et son écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile, elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Hé hey, papa, tu fais quoi ici? Non, parce que je vais préparer un repas et je... On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. Tiens, amour. Eh oui, le temps d'écran, c'est important, vous le verrez encore cette année dans l'école du futur. Mais tout de suite, on ouvre notre talk, l'Alilo Magic Educ, deux EdTech qui ont le vent en poupe, oui, et surtout la lecture chevillée au corps. Et pour en parler, on est en plateau avec Caroline Schlatter, responsable de la communauté éducative de l'Alilo. Rebonjour à vous, Caroline. Bonjour. Et en duplex avec Sandrine Grégoire, CEO de Magic Educ. Magic Educ qui édite l'application Graphone et Moore. Bonjour à vous, Sandrine. Bonjour. Alors, on va déjà s'attacher à comprendre quel est le modèle à la fois de l'Alilo et à la fois de Magic Educ et Graphone et Moore. Et vous vous retrouvez sur beaucoup de points, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vos deux solutions. Mais d'abord, votre mission, elle est notamment, Caroline, d'aider les enseignants de CP, de CE1, de CE2 à différencier l'apprentissage de la lecture, à pousser justement ces savoirs et ces enseignements. Et puis pour vous, Sandrine, la mission, elle est tout aussi large parce que vous allez vraiment de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte pour lutter contre l'illettrisme. On va d'abord se concentrer sur les enfants, si vous le voulez bien, avec vous toutes les deux. Pourquoi c'est important de parler d'univers, de parler de monde quand on s'adresse aux enfants pour leur apprendre la lecture, Caroline ?
Effectivement, c'est important de se mettre à leur niveau, et pour se mettre à leur niveau, il faut représenter des choses qui leur font plaisir, qu'ils ont à cœur de voir. Et les mondes de la Lilo, il y a 17 mondes sur la Lilo, c'est des mondes merveilleux liés à la nature et aux animaux, et ils sont extrêmement friands des mondes de la Lilo, à tel point que dès qu'ils traversent un monde, ils sont extrêmement heureux de recevoir un diplôme de la part de l'enseignant. C'est une très bonne récompense pour eux. Et justement, au travers de ces 17 mondes, on va pouvoir apprendre à acquérir de nouveaux mots, pouvoir commencer à aussi tout simplement découper les syllabes, apprendre la lecture au fur et à mesure, sans s'en apercevoir en réalité. Exactement, on va leur permettre d'apprendre à lire en maintenant leur motivation en permanence. Donc, ce que l'on propose aux enseignants, c'est précisément de différencier l'enseignement de la lecture. Différencier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va... Et on est capable de personnaliser les parcours des élèves en temps réel, en s'adaptant au rythme de chacun. Donc concrètement, on va adapter les exercices aux besoins spécifiques des élèves en fonction de leurs acquis et de leurs difficultés. Et sur la Lilo, on va également faire un retour du travail des élèves sur un tableau de bord complet qui va permettre de mettre en avant les informations importantes de la semaine. Les professeurs vont pouvoir voir quels élèves ont été les plus actifs, sur quelles leçons les élèves ont travaillé, et également quels sont les élèves qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà, on va mettre à disposition des données qui vont permettre une meilleure connaissance des enseignants pour leurs élèves, et puis également des données qui sont facilement actionnables. Alors, c'est ce qu'on appelle en bon langage tech l'adaptative learning. Justement, on va pouvoir être plus agile, s'adapter au fur et à mesure des acquis qui ont été justement acquis. Je n'ai pas de meilleur mot par ces élèves pour pouvoir capitaliser justement sur les savoirs, permettre aussi aux enseignants, aux enseignantes d'avoir ce retour très concret, de comprendre quels sont les progrès. Du côté de Magic Educ, Sandrine, on a aussi cette approche-là, se dire qu'on peut s'adapter, on peut faire du sur-mesure grâce au numérique et grâce aux univers qui sont proposés par votre application Graphonemo. Effectivement, on est aussi dans un univers de serious game pour Graphonemo. Donc le choix qui a été le nôtre, c'est également d'être assez proche de l'univers des enfants, mais surtout de rendre ludique un apprentissage qui est un peu rébarbatif. La particularité de Graphonemo, pour être très précise, c'est qu'on s'attarde uniquement sur le code alphabétique. Le code alphabétique est à la lecture un peu ce que le code de la route est à la conduite, donc une partie primordiale pour pouvoir démarrer, mais qui a aussi ce côté un peu... pas très sympathique, pas très agréable, et qui nécessite des systèmes d'automatisation. Donc, dans Graphonemo, le fait de passer d'un monde à l'autre, donc pour nous, de notre côté, nous avons 6 mondes qui sont répartis en 6 niveaux. Ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte qu'il progresse. Indépendamment du fait de travailler, il évolue dans un monde. À la fin de chaque niveau, il libère un animal, puisqu'on est dans un univers de serious game, donc l'enfant a un vrai travail, une vraie mission en plus de celle de découvrir les correspondances phonème-graphème, qui est celui de sauver des animaux des griffes de l'affreux Maléfico, puisqu'on est dans un jeu avec un scénario. Et donc chaque session de travail finalement est récompensée. De notre côté, c'est également des sessions de travail qui se répartissent en 4 activités pour lesquelles on fait 2 retours différents. Un retour à l'enfant de manière simplifiée, mais un retour à l'enseignant dans un tableau de bord très, très détaillé qui lui permet de voir exactement où est-ce que l'enfant a pu se tromper, commettre une erreur, réussir, en combien de temps, etc. De manière à ce que l'enseignant soit au plus près du niveau d'apprentissage de ses élèves aussi. Oui, c'est ça, hein, 4 activités, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a une activité de discrimination entre les différents sons, une activité de segmentation qui va permettre de couper les syllabes, une autre activité qui va permettre le découpage syllabique à laquelle l'enfant est amené à colorier des syllabes d'un mot, et puis une activité d'écriture. Là aussi, c'est important de pouvoir avoir ces 4 activités qui fonctionnent de pair avec vous, Sandrine, ou dans notre point de vue avec la Lilo, pour permettre cet apprentissage vraiment très complet de la lecture.
Oui, effectivement, il faut faire travailler les élèves sur l'ensemble des compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture. On a effectivement des activités qui se rejoignent. On propose des activités sur l'identification des mots, des activités autour de la compréhension, à la fois orale et écrite, et puis des exercices d'études de la langue, hein, tout simplement la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison et l'orthographe. Autre particularité de la LILO, c'est qu'on va permettre aux élèves de s'entraîner à lire à voix haute et on va être capable de leur faire un retour immédiat sur leur lecture et leur dire « Ok, tu as lu correctement ou tu n'as pas lu correctement ». Et cette information, on va la transmettre ensuite sur le tableau de bord de l'enseignant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est notamment un feedback qui est permis grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'il y a, quand on soulève le capot technique ou technologique de vos deux applications, de la LILO et de Graphonemo, on voit qu'il y a beaucoup d'IA. Alors, parfois, on a l'impression que l'IA est utilisée de façon un peu gadget dans la tech et pas que. Mais là, ça a eu un impact vraiment effectif. Vous avez d'ailleurs des ingénieurs en IA qui travaillent avec les enseignants et les enseignantes de CP, de CE1, de CE2 qui viennent vous rendre visite régulièrement. Je le voyais sur votre chaîne YouTube avec vraiment des échanges absolument fascinants parce qu'on voit que tout le monde enrichit au fur et à mesure les fonctionnalités. Tout le monde s'apporte finalement à la fois côté enseignant et enseignante. Bah, ce qui se passe réellement en classe quand on met en application un exercice sur la LILO. Et côté ingénieur, parce qu'en l'occurrence, c'est une femme ingénieure qui est chez vous en IA, quelles sont les possibilités pour pouvoir pousser l'outil ? L'IA, ce n'est pas un gadget chez vous ? Ah non, l'IA, effectivement, n'est pas un gadget, c'est au cœur de notre outil. La différenciation pédagogique, elle est rendue possible par l'intelligence artificielle. Mm-hmm. On va utiliser deux technologies d'intelligence artificielle. D'abord, l'adaptive learning, vous l'avez dit. Et l'adaptive learning, c'est pour adapter les exercices aux besoins spécifiques des élèves. On va faire travailler les élèves dans leur zone proximale de développement. Ça veut dire qu'on va proposer des exercices qui sont à la fois ni trop difficiles pour ne pas les décourager, ni trop faciles pour maintenir leur motivation. Ça, c'est la première technologie d'intelligence artificielle, l'adaptive learning. Et la deuxième technologie qu'on utilise chez la LILO, c'est la reconnaissance vocale. Donc la reconnaissance vocale va nous permettre d'évaluer les exercices de lecture à voix haute réalisés par les élèves. Et elle est très connue, la reconnaissance vocale, elle est très utilisée dans le monde d'aujourd'hui. Mais contrairement, finalement, au système classique, où les algorithmes vont chercher à comprendre ce qu'un adulte va dire et finalement à gommer les erreurs, nous, chez la LILO, on connaît à l'avance le texte qui sera lu par l'élève. Et donc, on va chercher à détecter les erreurs le plus précisément possible. Une fois que les erreurs sont détectées, on va être capable de faire un retour à l'élève sur sa lecture. Et donc, du coup, de pouvoir en temps réel lui proposer ce meilleur exercice, pas trop difficile pour ne pas le décourager, pas trop compliqué, pour justement continuer à le stimuler, pour qu'il puisse du coup acquérir la notion qu'il avait moins bien comprise précédemment. Pour qu'il puisse continuer à progresser dans ses apprentissages. Exactement. Il y a aussi du côté de Magic Educ, hein, Sandrine, comment est-ce que, justement, vous manipulez l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Graphonemo ? Alors nous, du côté de Graphonemo, on va retrouver aussi tout ce qui est adaptative learning, c'est-à-dire réévaluation des exercices en temps réel en fonction de deux paramètres. On a tout d'abord une évaluation initiale avant l'entrée dans le monde de Graphonemo des élèves, évaluation initiale qui est reprise à des instants clés de l'apprentissage de la lecture. Donc après un certain nombre de séances prédéterminées, on repositionne aussi une évaluation pour remesurer les acquis des élèves, mais également en temps réel. C'est-à-dire au moment même des réussites des élèves, on leur propose plus ou moins une difficulté supérieure ou une difficulté inférieure de manière à ce qu'ils soient également dans leur zone proximale de développement. La particularité de Graphonemo à ce niveau-là, c'est aussi dans le fait qu'il y ait quand même une mainmise de l'enseignant sur le parcours qu'il propose à ses élèves, c'est-à-dire que quand l'enfant est en situation d'activité, l'adaptative learning se met en place. Mais en amont, il y a toujours une main qui est donnée à l'enseignant qui peut lui-même, en fonction de ce qu'il voit et perçoit, mais aussi en fonction des besoins de sa progression de classe, choisir ce qu'il fait refaire ou pas à l'enfant. Donc la particularité de Graphonemo aussi, c'est un travail collaboratif depuis le départ avec le laboratoire de recherche UPEC Chartres Paris-Créteil, donc avec des allers-retours au niveau des fonctionnalités qu'on a pu développer dans Graphonemo. Mais également, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des quatre activités de Graphonemo. Ce qui a été prouvé scientifiquement et qui a montré un impact significatif pour l'apprentissage de la lecture avec un entraînement à Graphonemo, c'est bien le fait, dans une même séance, de faire
les quatre activités. On appuie en fait sur les processus cognitifs qui sont des processus très fins. La discrimination, bah, l'enfant va apprendre que, par exemple, O et U, ça fait le son OU. Donc ça, ça va être son premier temps d'apprentissage. Dans l'activité de suppression syllabique, on va l'amener à faire ses gammes. On se souvient tous de nos livres de lecture où on fait fou, mou, tout, etc. Mais c'est ce qu'on lui permet de faire dans la deuxième activité. Et dans la troisième activité, vous en avez parlé également tout à l'heure, ce découpage syllabique colorisé, en fait, permet à l'enfant d'entraîner les processus cognitifs et notamment visuels qui lui permettent de découper le mot en syllabes. La lecture et l'écriture, souvent, on a l'impression que la lecture précède l'écriture. Alors que ça a été montré que non, pas du tout en fait. C'est vraiment des choses qui s'apprennent de manière simultanée, voire des capacités d'encodage, soit d'écriture des élèves, qui précèdent les capacités de lecture. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à mettre une quatrième activité qui permet à l'enfant d'écrire ses premiers mots aussi dans la même session de travail. Donc la particularité de Graphonemo, c'est bien de proposer de manière automatisée les quatre activités dans la même session de travail. Oui, parce que c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui, finalement, le fait de se dire qu'il ne faut plus autant séparer les apprentissages, lecture, écriture, vocalisation aussi des sons, la façon de verbaliser tout ça. Le fait de se dire que finalement, on peut, en effet, avoir des apprentissages simultanés et que ça permet d'enrichir toutes ces briques-là. Et c'est fondamental parce que, on le sait, hein, les enquêtes se succèdent, mais elles se ressemblent malheureusement. Le niveau des orthographes des élèves est en baisse, 20% des élèves maîtrisent mal en France, les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire, c'est encore vrai aujourd'hui. Une enquête PISA indique que 30 minutes de lecture quotidienne va permettre des progrès significatifs en français, mais pas qu'en français. La lecture, c'est littéralement la clé de la réussite, Caroline. Oui, effectivement, les chiffres parlent tout seuls. C'est évident que la maîtrise de la lecture est déterminante pour la poursuite des études et qu'il faut au plus vite détecter les élèves qui ont des difficultés pour les accompagner, leur donner confiance et les mettre en situation de réussite. Et ça démarre dès le CP. Effectivement, ça démarre dès le CP, en tout cas avec la Lilo. Et c'est la même chose pour Magic Educ. J'imagine, encore une fois, je le disais tout à l'heure, Sandrine, vous vous adressez à la fois à la petite enfance, mais aussi à l'âge adulte. L'illettrisme, vous le combattez à tous les âges, littéralement, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est l'ouverture, finalement, de la vie, la lecture. On comprend tout avec la lecture. La lecture, c'est l'ouverture. Déjà, c'est un gage de réussite scolaire, mais c'est aussi un gage de réussite sur le marché professionnel après. Et nous, on s'est engagé dans la lutte contre l'illettrisme parce qu'en s'attardant sur des mécanismes vraiment cognitifs qui permettent d'apprendre le code alphabétique, c'est les mêmes mécanismes en fait qu'on apprend et qu'on développe au niveau de notre cerveau, qu'on ait 6 ans et qu'on soit en classe de CP ou qu'on en ait 19 et qu'on soit en situation d'illettrisme au moment de rentrer sur le marché du travail. Alors après, la lecture a son importance, on le dit bien à partir du CP, mais on s'aperçoit aussi que tout ce qui est de l'ordre du langage écrit, donc la lecture, l'orthographe et tout ce qui peut poser difficulté aujourd'hui aux élèves en France, ça découle aussi d'une bonne maîtrise du langage oral. Donc il est vrai que nous n'avons pas, pour notre part, développé de solutions sur l'apprentissage du langage oral, mais il y a un travail conséquent à mener en amont en fait de ces classes, de cette acquisition de la lecture, sur la bonne maîtrise du langage oral qui aura forcément ses répercussions au niveau de la compréhension par la suite, parce qu'une mauvaise compréhension orale va entraîner des difficultés de compréhension écrite, comme on peut aisément l'imaginer. En ce qui concerne Magic Educ, après s'être intéressé aux mécanismes très pointilleux de l'apprentissage du code alphabétique, depuis 2 ans, nous avons relancé une production de solutions sur l'apprentissage de l'orthographe, également avec un laboratoire de recherche, le CERCA de Poitiers, et du coup une solution pour l'apprentissage de l'orthographe lexicale, les mots dictés, et pour apprendre aussi les régularités de l'irrégularité de la langue française. Enfin, ouais. Donc il y a des choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut travailler au niveau des solutions EdTech qui sont aujourd'hui dès lors, très, très qualitatif, parce qu'il y a un vrai travail de proximité entre le terrain, la recherche et les techs. Pour ma part, moi, je suis enseignante du premier degré de formation, donc il y a vraiment ce côté où on travaille avec les enseignants et avec un pôle d'expérimentateurs directement sur place, un travail avec les laboratoires de recherche et après avec de la conception en IA et de la conception d'un point de vue informatique. Mais
Mais ce travail, en fait, ne peut pas remplacer non plus tout ce qui peut être fait du côté des familles. Et d'ailleurs, Graphonemo, quand je dis du côté des familles, c'est cette ouverture à la culture, cette ouverture sur les livres et sur ce langage oral. Et en tout cas, dans cette complémentarité école-famille, nous avons de notre côté, à l'issue du confinement, développé une fonctionnalité qui permet aux enfants de jouer à Graphonemo à l'école comme à la maison. Il y a vraiment tout ça qui est à mettre en place quand on veut s'inscrire dans une lutte contre l'illettrisme. Il suffit pas à un instant T d'être présent, c'est vraiment de voir le problème dans sa globalité et d'y trouver des leviers, en fait. Ouais, vraiment, c'est cette continuité entre les différents univers qu'on va pouvoir traverser dans la vraie vie, pas que dans vos applications conjointes, mesdames, et se dire que, en effet, la lecture, l'oral, c'est la clé de l'égalité des chances et de l'égalité scolaire. On vient dans un instant au modèle de la Lilo, de Magic Educ et de Graphonemo, notamment parce que vous faites partie d'une expérimentation extrêmement intéressante pour nous ici dans l'école du futur, les territoires d'enseignement numérique. On y revient dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le moment justement de découvrir ces images sélectionnées par Edouard Deniau. ¿Estos? No, los de arriba, güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos, güey. Mira, güey, si le quedan a todos. Pour la deuxième partie de l'École du futur, aujourd'hui en compagnie de Caroline Schlatter, responsable de la communauté éducative de La Lilo. Rebonjour à vous, Caroline. Bonjour. De Sandrine Grégoire, CEO de Magic Edu, qui nous attend en duplex et en Skype. Rebonjour à vous, Sandrine. Bonjour à tous. Et puis, elle est avec nous sur ce plateau. Évidemment, depuis le début de l'émission, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, qui a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Jeanne, tu nous fais voyager littéralement dans les villes du futur. Eh bien oui, Marjorie, une ville en effet cet été est sortie, une vidéo cet été est sortie, qui nous dévoile ce à quoi ressemblera la ville du futur. C'est la dernière petite folie du prince héritier Mohammed Ben Salman, du prince héritier d'Arabie Saoudite, destiné au désert saoudien. Je vous présente The Line, une ville développée sur une seule ligne de 170 km, entourée de parois miroitantes de 500 mètres de haut, dénuée de voitures, desservie par des engins autonomes, une
une ville supposément décarbonée, jouissant des technologies les plus avancées, au centre des routes commerciales gallo-bènes. Bref, cette ville fait partie des nouveaux grands chantiers de pharaoniques, des villes entièrement nouvelles qui doivent sortir du sol aux quatre coins du monde, qui sont venues répondre à la problématique du siècle. C'est l'essor évidemment démographique associé à l'urbanisation. Tu sais, Marjorie, que c'est un jour de 2007 que le monde a basculé. La population terrienne est devenue à majorité urbaine. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'urbanocène. Des villes qui sont en grande partie responsables de la consommation d'énergie, entre 75 et 80%, et donc de la production des gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, après cette idée de canicule, d'incendie, de tempête, de grêlons en forme de balles de golf, je me suis posé la question, avec les villes de demain, comment sauver le monde, en fait ? C'est justement la question qu'on va te retourner. Enfin, on va surtout la retourner d'abord aux urbanistes et aux architectes. Eh bien oui, c'est à l'architecte de demain que je destine ce petit tour du monde en 5 commandements de ce que devront être les villes du futur. C'est parti. C'est parti. Numéro 1, des défis climatiques, tu nous protégeras. Mm-hmm. Une des plus grandes menaces, évidemment, c'est la montée des eaux. 1 mètre d'ici 2100, selon certaines prévisions. L'exemple le plus emblématique a été pensé à la lumière des inondations qui ont été causées par l'ouragan Sandy à New York. Et l'agence Big Bjark Ingels Group a décidé d'entourer Manhattan d'une digue qui, en plus de ses qualités techniques, est censée donner lieu, donc tout autour de la ceinture de Manhattan, à des aménagements de terrain qui formeront des nouveaux espaces de nature, des espaces de rencontres, des espaces de sport, de loisirs, tout en luttant contre l'hypothétique montée des eaux. Deuxième commandement. Attention, roulement de tambour. Tu imiteras. Mmh. Évidemment, continuons avec cette histoire d'eau en allant vers Venise et la menace d'effondrement de ses fondations. Les architectes Christian Kerrigan et Rachel Armstrong se sont associés à des biochimistes pour créer des architectures qui, en fait, peuvent se réparer elles-mêmes. Technique, un système de technologie de protocellules qui sont destinées à créer un récif de calcaire qui soutiendrait la sérénissime tout en s'inscrivant parfaitement dans son environnement aquatique. Une ville, tiens, quel choix Venise, c'est intéressant, petit clin d'œil à Jeanne directement. Pour l'instant, il me semble qu'à Venise, c'est un système de vannes, d'ailleurs, qui a été préféré pour lutter contre l'usure des fondations, parce que c'est bien de ça dont on parle. Oui, et pour lutter aussi contre les marées au rythme desquelles la ville de Venise vit. Mais le problème, c'est que ces vannes déjà ont été inefficaces en 2019, qu'en plus elles empêchent le brassage en fait de la lagune et elles ne règlent pas vraiment l'usure des fondations. Donc passons à un autre problème, parce que ce problème-là continuera pendant des siècles. En tout cas, notre troisième commandement, l'intelligence matérielle, tu développeras. L'intelligence matérielle, c'est quoi ? Utiliser à bon escient les matériaux que nous offre la nature. Mmh. Il y en a un que l'architecte vietnamien Vo Trong Nghia utilise, c'est le bambou. Cet architecte vietnamien, il réalise de véritables cathédrales faites à partir de ses branches végétales avec lesquelles il entend remplacer l'acier et le béton de l'ère industrielle. C'est superbe en tout cas, vraiment, avec Caroline, là, en plateau, on est émerveillé. Tout à fait, et en plus d'être beau, ça a une résistance optimale aux forces architecturales, ça capte le CO2, son mantra, le bambou est l'acier vert du 21e siècle. Quatrième commandement, l'autonomie, tu trouveras. Dans la ville d'Amsterdam, le quartier de Schoonschip, ce qui signifie navire propre, est totalement autonome. En fait, grâce à un système de panneaux solaires qui a sur tous les toits, ainsi aussi que ce qu'on appelle le waste to energy, c'est-à-dire la valorisation énergétique des déchets, eh bien, c'est ce quartier d'Amsterdam participe en fait à l'idée de dépasser la ville fordiste. Parce que chaque logement individuel peut être une unité de production, une unité de production d'énergie. Et ils ont même un système en fait, de revente entre voisins quand ils n'utilisent pas l'énergie qu'ils ont récoltée au moment où ils n'étaient pas chez eux. Mais dites donc, j'apprends que vous êtes bilingue en néerlandais en plus dans cette chronique. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que tu nous dis en tout cas, on est le microgrid réseau électrique intelligent et les energy community qui peuvent fonctionner en îlot en cas de déconnexion du réseau public. Donc, on a à la fois
l'aspect architectural, le design, mais aussi, évidemment, la praticité technique. Évidemment, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à New York. Hein. Ils ont aussi pensé, avec ce Big U de l'agence Big, ils ont pensé aussi à gérer des microgrids, des réseaux de technologies indépendantes, au cas où il y aurait des problèmes, notamment comme il y a eu avec l'ouragan Sandy. Il me semble qu'il y a un cinquième commandement. Bah, évidemment, parce que évidemment, on parle de technosolutionnisme, mais on a une autre voie qui est infiniment plus élémentaire. 5. La modernité, tu enchanteras. L'architecture, depuis les Romains jusqu'aujourd'hui, c'est un rêve magnifique, mais c'est un rêve minéral. La ville, c'est un rêve de pierre. Et cette minéralité des villes, certains architectes la critiquent pour ne pas forcément être idéale au développement sensoriel humain, à son équilibre psychique et physique. Elle est corrigée par des architectes qui participent du courant de l'écologie urbaine, dont Stefano Bori est un des pionniers. Il est créateur des forêts verticales. Ce sont ces immeubles verticaux sur lesquels la nature pousse et qui ont essaimé leurs graines architecturales un peu partout dans nos villes. Et il s'est attelé depuis 2017 à la création de la ville-forêt de Liuzhou en Chine, qui nous approche vraiment d'un état organique urbain qui nous permet de ne plus penser la transition écologique comme un acte de repentance, comme un acte d'abandon de la modernité, mais qui embrasse une modernité forêt où l'on quitte donc nos tendances séculaires à la séparation des choses, à la monoculture, pour une imbrication des règnes, pour une imbrication des espèces. Et j'invite enfin, en cette fin de chronique, le spectateur à lire ce beau livre qui s'appelle The Ideal City, où on peut retrouver tout un tas d'exemples de cette problématique, qui m'a permis, quand j'étais à la plage, d'envisager ma rentrée dans cette ville minérale qu'est Paris, avec un peu plus de sérénité. Oh ben, voilà une belle sérénité retrouvée pour la rentrée et ses projets, justement, de ville du futur. Alors, attention, parce que parfois, certaines villes du futur, un petit peu un aspect de soft power, notamment pour Neom City, je dis ça, je dis rien. Mais, Caroline, je voyais évidemment émerveillée devant les exemples que nous montre Jeanne. Là aussi, ce futur de la technologie, ce futur qui va aussi se fondre dans les villes de demain, plus attentives justement en termes écologiques, durables, ça vous inspire ? Oui, absolument. On parle beaucoup en ce moment de la sobriété numérique, et notamment sur le dernier salon de Ludovia, là, qui était un salon de pré-rentrée pour nous tous, acteurs de la high-tech. Effectivement, c'est inspirant. Moi, j'aime beaucoup le deuxième commandement sur la nature, tu imiteras. Je pense que l'homme a encore énormément de progrès à faire pour s'inspirer de la nature et prendre les bonnes choses. Absolument, le biomimétisme mis à l'honneur et on te suit aussi dans un prochain épisode de l'École du Futur pour continuer à parcourir ces villes de demain. Sobriété numérique et sobriété écologique, décidément ce seront, je pense, les maîtres mots de cette saison de l'École du Futur. On verra justement au fur et à mesure avec nos invités, mais tout de suite on revient à notre discussion avec Caroline, avec Sandrine. On parle évidemment de ces EdTech, la Lilo, Magic Educ et l'application Graphonemo qui aide les enseignants et les enseignantes et les élèves justement à mieux apprendre la lecture. Et puis on va voir justement comment vos modèles sont boostés, notamment en partenariat avec l'Éducation nationale. Et j'ai envie de redémarrer justement cette discussion avec vous. Sandrine, vous êtes toujours en duplex avec nous pour Magic Educ. Et vous êtes, si j'ose dire, la belle histoire du confinement parce que vous aviez 200 abonnés uniquement en 2020, mais vous avez décidé à ce moment-là de mettre l'application gratuitement à la disposition de toutes et tous. Et vous avez été victime de votre succès, 3000 abonnements d'un coup. Comment ça s'est passé ? Ben en fait, je pense que à la situation inédite comme celle du confinement, réaction inédite, de notre côté, nous avions été soutenus par le ministère de l'Éducation nationale, par la subvention EduUp pour la construction de la solution Graphonemo. Donc c'était pour nous pratiquement logique en fait d'offrir ce service subventionné partiellement à l'ensemble des enfants et de leurs parents et de leurs professeurs par la même occasion. Et ça a été effectivement, on a été victime de notre succès. Ça a été une période de notre côté avec des remontées aussi bien des enseignants, des remontées aussi bien de la part des parents
Et un affichage, bah vous l'avez dit tout à l'heure, un affichage de cette complémentarité en fait entre différentes solutions EdTech et notamment c'est les deux qui sont présentes aujourd'hui entre Graphonemo et la Lilo qui rendent des services complémentaires et non pas opposés. Et du coup, ça a été pour nous bah, quelque part la sortie de l'anonymat aussi parce qu'en tant que petite start-up poitevine, bien que Poitiers soit capitale de l'éducation, on avait du mal en fait à être repéré. Avec le réseau Canopé qui est installé chez vous. Ce marché qui est un marché extrêmement complexe. Oui, notamment avec le réseau Canopé, je le disais, qui est installé à Poitiers et qui booste aussi justement le numérique dans l'éducation auprès des enseignants et des enseignantes. Et aujourd'hui justement, vous avez aussi des retours qui viennent de l'étranger. Je crois que vous avez des classes qui vous suivent en Italie, en Belgique, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, dans le monde du numérique, il y a des aspects magiques, hein, d'où Magique Éduque, c'est qu'on peut aller parfois beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en travaillant tous ensemble. Et nous avons bénéficié d'un appui de l'Académie et du rectorat de Poitiers au moment où nous cherchions un terrain d'expérimentation sur des classes de grande section pour Graphonemo. Et d'un tweet, ça nous a permis de rentrer effectivement en contact avec des pays avec lesquels on n'avait pas forcément de contact ni de visibilité. En tout cas, ce qui est traduit surtout par rapport à ces contacts et ces nouveaux utilisateurs, c'est un réel besoin qui dépasse en fait les frontières du national et qui touche tout l'ensemble des pays francophones. Donc il y a vraiment un intérêt à développer des solutions comme les nôtres et à les rendre visibles. Absolument. Et c'est justement ce à quoi aussi, justement, s'attelle une initiative. Elle a été renforcée à la fin de l'automne 2021 par l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui voulait à l'époque impulser un véritable virage numérique pour l'enseignement, pour l'éducation. C'est l'expérimentation des territoires numériques éducatifs. Le virage numérique, c'est aussi une volonté politique, Caroline. Caroline et Sandrine, la Lilo et Magic Educ font partie justement des solutions qui sont offertes dans le cadre de cette expérimentation. Alors aujourd'hui, on a 12 territoires qui sont concernés dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. 300 millions d'euros investis dans le numérique pour changer les pratiques pédagogiques à hauteur de 172 millions d'euros pour les écoles et les collèges. À peu près 110 millions d'euros pour l'enseignement supérieur. En tout cas, aujourd'hui, ce sont 1,5 million d'élèves et 180 000 profs qui sont concernés, notamment par l'utilisation de vos solutions. D'abord, depuis l'automne 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les solutions ont vraiment été déployées? Et puis, comment, Caroline, vous voyez justement ce partenariat avancer? Et puis, est-ce que concrètement aussi, ça vous permet de développer, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue financier, très concrètement, la Lilo? Oui, effectivement, c'est une très belle commande publique. On est très heureux d'être l'un des lauréats avec la Lilo et on est en consortium avec nos amis de Plume, qui est également une start-up EdTech et qui donc aide les enseignants à différencier la production d'écrits. Donc on est l'un des lauréats. C'est tout récent. Il y a eu d'abord en effet une expérimentation dans deux départements, le Val d'Oise et l'Aisne, et ça a été étendu par le ministère donc récemment à 12 territoires. 12 départements. Donc on est très heureux de pouvoir accompagner, diffuser nos outils numériques auprès des enseignants. Alors ce dispositif TNE s'appuie sur trois piliers. Il y a d'abord l'équipement, évidemment, qui est important. Il y a ensuite les solutions numériques qu'on met à disposition des enseignants. Et puis ces deux piliers sont insuffisants si on n'ajoute pas le pilier de la formation. La formation des enseignants à l'usage de nos solutions numériques, c'est primordial pour espérer un progrès et accompagner un maximum d'enseignants et leurs élèves dans l'apprentissage. Oui, et justement, c'est vrai que c'est extrêmement important pour la Lilo, cette communication entre les enseignants, les enseignantes et la façon dont ils peuvent utiliser l'application. On va y revenir justement dans un instant. Mais je voulais d'abord renvoyer cette question à Sandrine et à Magic Educ. Le fait de participer au territoire numérique éducatif, les TNE, cette expérimentation, ça vous permet aussi de passer à l'échelle? Alors nous, on n'y participe pas tout à fait de la même façon que la Lilo, dans la mesure où on n'est pas lauréat de l'un des appels d'offres, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas, toutes les EdTech n'ont pas pu être lauréates, mais on y participe quand même parce que la Vienne, donc le territoire dans lequel on est implanté, est effectivement un territoire numérique éducatif dans lequel il va se passer des choses. Il faut savoir qu'en fait, il y a deux choses concomitantes, les solutions à destination des enseignants qui sont portées par le réseau Canopé avec une formation
à destination des enseignants et des solutions à destination des élèves dans lesquels le Graphonemo s'inscrit davantage et sur lesquels nous espérons pouvoir être présents sur les territoires numériques éducatifs. Il va de soi que lauréat ou pas, ce virage du numérique est primordial pour l'ensemble des EdTech, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir poursuivre le développement de solutions efficaces et d'intérêt pédagogique, sans usage, sans marché. Les EdTech, c'est avant tout des sociétés qui sont de fait du coup menacées en fait. Oui, et puis c'est vrai que ça permet finalement de pouvoir abaisser la barrière à l'entrée. Et la barrière à l'entrée pour les EdTech, elle est très simple. C'est déjà pouvoir entrer à l'école, tout simplement, Caroline. Oui, absolument, d'être au cœur du système éducatif pour avoir un maximum d'impact auprès des élèves. Et c'est la même chose que vous identifiez, Sandrine, hein, du côté de Magic Educ et dans la Vienne aussi. Mais tout à fait, en fait, ce qu'on fait, on y prend beaucoup de soin et on le construit avec des enseignants et des chercheurs à chaque fois. Mais si on ne va pas dans les écoles, si on ne rencontre pas la cible finale qui est quand même les élèves, aucun moyen pour nous de s'engager dans la lutte contre l'illettrisme. Donc c'est évident qu'il faut dépasser cette barrière, ce marché, cet achat, pour que ce soit déployé vers le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Alors cette initiative, elle est aussi déployée, elle est en cours d'expérimentation. On l'a dit tout à l'heure, 12 territoires, 12 départements qui rallie le programme TNE. L'idée, c'est de pouvoir étendre l'expérimentation à l'ensemble de l'Hexagone. Vous lui demanderiez quoi, tiens, au successeur de Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, à Pape Ndiaye, aujourd'hui, accélérer encore un peu plus les TNE? Oui, peut-être tout simplement de maintenir les efforts qui ont été portés vers le numérique ces dernières années pour le futur. Mm-hmm. Effectivement, de mettre le numérique au cœur de ses ambitions pour personnaliser les apprentissages des savoirs fondamentaux. Je crois que Jean Castex, Sandrine, avait d'ailleurs... Vous avez rendu hommage, vous avez rendu honneur, tiens, justement, parce que lorsqu'il avait lancé cette expérimentation, il était venu à votre rencontre, à la rencontre de Magic Educ. Concrètement, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces politiques-là, ils comprennent bien les enjeux de l'EdTech? Ben, pour être parfaitement honnête, j'étais un peu sceptique au départ. La rencontre avec Jean Castex a levé un certain nombre de freins dans la mesure où il a été sensible vraiment, en tout cas, du fait que la solution de Graphonemo était une solution qui est née du terrain, donc d'enseignante à dominante pédagogique qui avait repéré en fait une difficulté. Et il a été sensible aussi au fait qu'on ne cherche pas à révolutionner l'ensemble de la lecture, mais qu'on s'attache bien à des processus, à des mécanismes, à des compétences qu'il faut développer chez les élèves. Donc du coup, j'invite dire oui, je pense que les politiques peuvent être vraiment sensibles et comprendre ce qu'on fait. Maintenant, il faut nous donner aussi les moyens de pouvoir leur expliquer et leur montrer notre travail. Et c'est vrai que ce soit les territoires numériques éducatifs ou les visites telles qu'elles sont organisées, mais face à des classes, puisque Jean Castex a pu voir en fait des élèves en train d'utiliser Graphonemo, parce que c'est bien là en fait que les choses sont intéressantes et font sens. Je pense que c'est quand même très intéressant en fait, en tout cas d'être dans cette démarche, d'aller jusqu'au terrain et pas seulement de rester un peu en retrait et d'aller vraiment voir comment les enfants interagissent. Parce que derrière le numérique éducatif, il y a ça, on parle de l'IA, on parle des compétences qu'on développe, mais il y a toute la partie ergonomie en fait, sur lesquelles les progrès qui ont été faits dernièrement nous permettent d'être vraiment efficaces et de rendre l'apprentissage aisé pour les enfants et également différencié. On ne peut pas, le numérique éducatif, dans la partie, enfin, Graphonemo a une version papier-crayon et une version numérique. Mmh. Mais c'est bien dans la complémentarité des deux que les choses sont encore plus pertinentes. Mais le numérique permet des choses que le papier-crayon ne permet pas. Un enseignant qui enseigne une notion à l'ensemble de sa classe ne pourra pas corriger en temps réel un enfant qui s'est trompé. C'est ce que permettent des solutions comme la Lilo et Graphonemo. Donc l'enfant ne reste pas dans ses erreurs. Il comprend qu'il s'est trompé. On lui donne la possibilité de s'autocorriger. Donc on est vraiment sur des fonctionnalités qui sont intéressantes à découvrir et sur lesquelles capitaliser pour l'apprentissage et pour faire de l'école une école du futur numérique pour ses plus-values. Le terrain, il n'y a que ça de vrai. En effet, vous le prouvez encore aujourd'hui, Sandrine. Caroline, je crois qu'il y a aussi une partie, notamment technologique de la Lilo. On parlait tout à l'heure, quand on soulevait le capot technologique de l'univers et des mondes de la Lilo, de l'intelligence artificielle et de son importance, justement, dans à la fois l'adaptative learning et dans le fait d'avoir aussi cette assistance vocale, cette reconnaissance vocale qui permet à l'enfant de pouvoir justement lire à haute voix, se corriger, avoir d'autres exercices qui lui sont proposés.
Cette partie intelligence artificielle, elle est développée, je crois, dans le cadre d'un partenariat d'innovation IA, intelligence artificielle, avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? Absolument, on a eu la chance d'être également lauréat de ce qu'on appelle le P2IA, le partenariat d'innovation et intelligence artificielle, depuis 2019. Donc il y a une première partie qui nous a permis de développer notre R&D, de co-construire notre outil avec les équipes académiques et les enseignants, d'organiser des focus groups, des études d'impact. Il y a eu ensuite une deuxième phase de montée en charge partout en France. Et aujourd'hui, donc, il y a 25 000 professeurs des écoles qui utilisent notre outil en France. Et on est dans la phase d'exploitation, qui consiste pour le ministère à acheter des licences, la LILO, pour les professeurs des écoles de cycle 2. Ce qui permet de maintenir la gratuité de notre outil pour la majorité des enseignants de cycle 2. Ah oui, c'est fondamental dans le business model, en effet. En tout cas, on voit, et c'est plutôt prometteur ici sur ce plateau, que des initiatives menées parfois avec le gouvernement peuvent bien se passer. Ça, c'est encore une fois assez encourageant. Ce qui est encourageant aussi, c'est de voir, Sandrine et Caroline, le poids que vous mettez sur la relation et l'attention plutôt que vous mettez à la relation que vous entretenez avec les enseignants, les enseignantes qui mettent justement en application ces univers, la LILO, Magic Educ. Il y a notamment, j'étais passionnée par la chaîne YouTube de la LILO, je vous le dis Caroline, et notamment par une mini-série que vous avez mis en place qui rend hommage aux enseignants et aux enseignantes. Pourquoi c'est si important, c'est primordial de les mettre en avant ? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques temps, on a souhaité rendre hommage aux professeurs des écoles en lançant notre mini-série web pour saluer leur engagement au service des élèves, pour essayer de révéler le meilleur d'eux-mêmes. Et puis aussi parce que finalement, le métier de professeur, c'est un métier qui peut générer beaucoup de défiance à la fois de l'institution, de leur hiérarchie, mais également des parents qui se permettent de juger peut-être la pratique de l'enseignant. Donc on voulait mettre vraiment un focus et plutôt porter un regard en fait bienveillant sur ce métier qui est un métier de passion, de vocation. La passion, la vocation, le terrain, vous l'avez vu aujourd'hui sur les questions de l'apprentissage de la lecture, de la lutte contre l'illettrisme. Évidemment, ce sont des missions qui sont celles de Magic Educ avec Sandrine qui est en duplex avec nous aujourd'hui et celles de Caroline pour la LILO et pour ces mondes qui nous permettent de mieux apprendre la lecture et de mailler tous ces apprentissages. Merci infiniment Caroline, merci infiniment Sandrine de nous avoir rejoints pour cet épisode de l'École du Futur. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour non seulement ses idées derrière la tech, mais aussi ses voyages dans les mondes artistiques et le monde de l'architecture cette semaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans l'École du Futur.